Le numéro donc 46 qui arrive ici. Le 46. Il s'appelle Limper du Fénoir. Il est né le 3 mars chez Thierry Lerat et Benoît Sergère, au domaine du Fénoir donc. Et c'est un fils de Whipper, on n'avait pas encore vu de Whipper. C'est un excellent étalon Whipper qui fait la monte au rat très bon à 3000 euros. Qui a quand même la particularité d'avoir fait, d'avoir non seulement gagné Groupe 1, d'avoir gagné le Morny, Maurice de Guest et Jacques Lemarois. Il a gagné donc, les 3 Groupe 1 réservés au mâle de. Enfin, non réservé aux femelles, pour être tout à peu précis, le meeting de Deauville et Estival. Et c'est le père de Recoletto, c'est talon, c'est le père de Lord Glitter, gagnant de Groupe 1, Recoletto lui aussi a gagné le Groupe 1, c'est le père de Waitika, gagné le Groupe 1, c'est le père de Whisky aussi qui a gagné l'abbaye de Longchamp, voyez-vous. Et il a fait aussi quelques bons sauteurs, notamment Rock the Race. Rock the Race, oui, effectivement. Et donc c'est une souche de Michel Bourneuf, puisque la mère s'appelle Brise de Tête. Et elle nous présente ici son deuxième produit. Qu'est-ce qu'on a pour dans la famille récente? On va citer Dakota Tech qui a gagné 3 victoires. Comme Delkine notamment. Récif de Tech aussi qui a gagné en France et en Angleterre. Whipper du Fénoir qui nous est présenté ici, un peu très imposant. Né le 3 mars, fils de Whipper. Donc la mère, elle part pas grand-chose. D'où cette robe grise.